I am Jacqueline Godot, I'm 27 years old. I am elite coach here at World Gym Group in town. Je m'appelle Maud Cessier, j'ai 29 ans, puis je suis résidente en cardiologie à l'Université de Montréal. J'ai découvert le gym, World Gym Griffintown, parce que c'est à un coin de vue chez moi, tout simplement. Je me suis inscrite au gym, puis j'avais le droit à une évaluation gratuite. C'était avec Jackie. Elle m'a posé toutes sortes de questions sur mon alimentation, c'est quoi mes habitudes, est-ce que j'allais au gym. Pas vraiment dans ce temps-là. Puis elle m'a dit « Ok, bien, regarde bien un de mes cours de groupe, puis on va voir comment ça se passe. » Puis moi, je pensais que ça allait bien se passer, que j'étais quand même un minimum en forme. Non! Puis finalement, j'ai failli vomir 4 fois pendant le cours, c'était terrible. J'étais bagale, j'ai passé à travers de peine et de misère. She died. She died! And I was like, listen, mode. I'm gonna help you out. I'm gonna give you a free session, see how that goes. And yeah. Puis j'ai réalisé que j'étais pas capable de faire grand chose correctement avec une bonne forme, puis que je risquais vraiment de me blesser si je commençais à m'entraîner seule. Mm-hmm. Et par la suite, ça c'était juste avant Noël, puis mes parents finalement ils m'ont offert comme 3 mois de training avec Jackie, fait que c'est ça qui m'a comme vraiment bien partie, puis je l'ai jamais lâché. Yeah. We've been like this. This. Quand j'ai rencontré Jackie, j'étais dans un processus que je savais que je voulais changer mon mode de vie. Je savais qu'il fallait que je me mette plus en forme, que je perde du poids parce que je passe mon temps à dire à mes patients qu'il faut qu'ils perdent du poids, qu'ils se mettent en forme, qu'il faut qu'ils mangent bien. Puis je me sentais hypocrite dans ma peau de leur dire ça puis de pas le faire moi-même. Et ça fait maintenant 3 ans environ que je m'entraîne avec Jackie. Je m'entraîne comme 5-6 fois par semaine. Soit je fais des trainings semi-privés avec Jackie ou des cours de athlétiques avec elle. Je suis toujours avec elle. Yeah. I always got my eye on her. Always. Ouais. Ça a servi parce qu'en 3 ans, je me suis jamais blessée. Yeah. À force de venir voir Jackie, je suis faire des changements de mon alimentation. J'ai perdu au moins 30 livres. Je suis même descendue en bas de ça. Puis j'en ai regagné en muscle beaucoup par la suite. Puis je me sens beaucoup mieux dans mon corps actuel, dans ma posture. Oh yeah. Maud now is one of my strongest clients right now. And when she first started, she was not able to lift even the bar or even herself. Like she would squat, her knees would cave in. And now you look at her and just like, people will see her deadlifting or squatting and be like, wow, she's so strong. I want to be strong like her. They say that now, you know? You don't do this for other people though. No. You always do it for yourself. That's first. Quand je regarde des photos de moi avant de venir au gym, avant de faire tous ces changements-là, je ressens de la fierté parce que je me souviens exactement de comment j'ai commencé. Je me souviens d'à quel point c'est difficile, à quel point c'est encore difficile. Puis ce que je me dis, ce que Jackie me dit, c'est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Je voyais vraiment le gym comme quelque chose d'intimidant avant, surtout j'ai un petit peu d'anxiété sociale. J'aime pas ça quand il y a trop de monde, mais maintenant, rentrer ici, c'est vraiment comme rentrer à la maison. C'est vraiment un happy place. Mon happy place. Oh yeah.